Bienvenue sur ma chaîne Univers Nature et sa richesse. Aujourd'hui je vous donne 20 remèdes maison pour réduire la perte de cheveux en une semaine. De nombreux facteurs sont à l'origine de la chute des cheveux, notamment l'anxiété, la tension, le stress psychologique, la pollution et l'exposition au soleil. Il existe également des facteurs saisonniers tels que les moussons, qui peuvent provoquer des infections fongiques du cuir chevelu, entraînant la chute des cheveux. Les experts confirment que la perte de jusqu'à 100 cheveux par jour n'est pas préoccupante, mais si la perte de cheveux dépasse quotidiennement cette limite, il est nécessaire de recourir à des méthodes qui aident à prévenir sa perte ou même à la réduire, et voici 20 remèdes maison pour réduire la perte de cheveux en une semaine. 1. Fruits de groseille indienne. Pour réduire la chute des cheveux, faire tremper une quantité de fruits dans l'eau séchée dans de l'huile de noix de coco pour obtenir de l'huile noire, puis masser le cuir chevelu avec celui-ci deux fois par semaine pour obtenir les meilleurs résultats. 2. Le gingembre. Car il contient du phosphore et des minéraux qui peuvent améliorer la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui favorise la repousse des cheveux. Frotter un morceau de gingembre sur le cuir chevelu pendant 10 minutes puis le laver est un traitement efficace contre la chute des cheveux. 3. Oignon. Le jus d'oignon est l'un des meilleurs ingrédients qui combattent la chute des cheveux, car la teneur en soufre qu'il contient aide à nourrir les follicules pileux, donc frotter le cuir chevelu avec un morceau d'oignon, et le laver après 15 minutes bien avec du shampoing, aura un grand effet sur les cheveux et sans odeur indésirable. 4. Huile d'arbre à thé. Ajoutez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé à votre shampoing pour se débarrasser des infections du cuir chevelu qui peuvent causer la chute des cheveux, est le meilleur remède maison pour réduire la chute des cheveux en seulement une semaine. Ajoutez quelques gouttes d'huile d'arbre à thé à votre shampoing pour se débarrasser des infections du cuir chevelu qui peuvent causer la chute des cheveux, est le meilleur remède maison pour réduire la chute des cheveux en seulement une semaine. 5. La plante de Nîmes. Il se caractérise par ses propriétés antiseptiques, antibactériennes, antifongiques et antivirales, donc la faire bouillir dans de l'huile de noix de coco et la masser régulièrement dans le cuir chevelu est un traitement efficace pour réduire la chute des cheveux. 6. Huile d'olive. Riche en vitamines E, l'huile d'olive aide à nourrir le cuir chevelu et assure la force des racines des cheveux, ne laissant aucune place à la chute. 7. L'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est une solution étonnante à tous les problèmes capillaires, donc un massage régulier du cuir chevelu après le shampoing assure une réduction significative de la chute des cheveux. 8. L'huile de moutarde. Est évitée par beaucoup en raison de sa nature piquante, mais l'huile de moutarde a toujours eu un grand impact sur la force des cheveux de nos ancêtres, car ils l'utilisaient pour masser le cuir chevelu. 9. L'huile de ricin. Parce qu'elle est riche en acides gras oméga, l'huile de ricin prévient non seulement la chute des cheveux, mais les rend également forts et brillants. L'application d'un mélange d'huile de ricin et de vinaigre sur le cuir chevelu aide à traiter la perte de cheveux. 10. Huile de menthe poivrée. Ajoutez quelques gouttes d'huile de menthe poivrée à votre huile capillaire et utilisez-la pour masser le cuir chevelu. La menthe poivrée aide à se débarrasser des infections du cuir chevelu qui peuvent causer la chute des cheveux. 11. Œufs. Parce qu'ils sont riches en protéines importantes pour les cheveux, l'utilisation de blancs d'œufs pour frotter le cuir chevelu aide à traiter les follicules pileux endommagés, en prévenant leur perte. 12. Feuilles de henné. Le henné est considéré comme une source majeure de promotion de la croissance des cheveux et présente de nombreux avantages. Il aide également à nettoyer le cuir chevelu des infections, qui sont l'une des causes les plus courantes de la perte de cheveux. Broyez finement 50 g de feuilles de henné, puis ajoutez une tasse d'huile d'olive. Mélangez bien les ingrédients, puis mettez le mélange sur le cuir chevelu et les cheveux le soir et laissez-le sur les cheveux jusqu'au matin. Lavez bien les cheveux avec de l'eau tiède et du shampoing, et répétez le processus pendant 3 jours. 13. Huile de citron. Si vous ne supportez pas l'odeur du jus d'oignon, vous pouvez essayer le jus de citron, car les deux favorisent la croissance et la qualité des cheveux. Du jus de citron fraise ou de l'huile parfumée peut être ajoutée à votre cuir chevelu et laissez-le tremper pendant 15 minutes avant le shampoing. 14. Huile de poisson. L'huile de poisson contient des acides gras oméga 3 en plus d'être pleine de nutriments et de protéines. L'huile de poisson est souvent associée à l'aide au fonctionnement du cerveau, mais elle peut également aider à stimuler la croissance des cheveux. On prétend que la prise de suppléments d'huile de poisson améliore régulièrement l'épaisseur et la longueur des cheveux. Et si vous perdez vos cheveux rapidement en peu de temps, cela peut ne pas être le résultat d'un vieillissement normal, et vous devriez envisager de consulter votre médecin si vous avez des problèmes de santé. 15. Thym E pour le traitement de la perte de cheveux. Le thym sauvage est placé dans un litre d'eau bouillante et laissé sur le feu jusqu'à ce que la moitié de la quantité d'eau s'évapore, puis nous retirons le pot du feu et mettons le thym après que sa chaleur se soit calmée sur le cuir chevelu et les cheveux et le frottons bien, et la recette est répétée une fois par semaine.
16. Vinaigre. Trempez le peigne dans un mélange de vinaigre et d'eau, puis peignez les cheveux avec. Cette recette traite la chute des cheveux et renforce ses racines. 17. Concombre. Pressez le concombre dans le batteur électrique et mettez le jus de concombre sur les cheveux pour les protéger de la chute. 18. L'eau salée. Il aide à se débarrasser du problème de la perte de cheveux et le cuir chevelu peut être massé avec de l'eau salée pour accélérer la croissance des follicules pileux. 19. Jus d'ail. Masser quotidiennement le cuir chevelu le soir avec du jus d'ail aide à protéger les racines des cheveux et à prévenir la chute des cheveux. 20. Recette de fenugrec. Le fenugrec est l'un des remèdes anciens les plus importants pour se débarrasser de la chute des cheveux. Il est riche en protéines et en acides nicotiniques et en substances utiles à la croissance et à la germination des cheveux. La recette contre la chute des cheveux peut être utilisée comme suit. Mélangez bien une cuillère à soupe de graines de fenugrec avec une tasse d'eau et hachez-les bien jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ajoutez à ce qui précède un peu d'huile d'olive, mettre le mélange sur les cheveux et le cuir chevelu et laissez reposer une demi-heure. Lavez les cheveux avec de l'eau et du shampoing et répétez la recette une fois par semaine. Merci de m'avoir suivi. Visitez mon site mangersaine.com pour plus d'informations. Abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés. Vous trouverez aussi mes livres publiés sur Amazon. Et, au prochain sujet que j'espère vous plaira.